Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. On dirait pas comme ça, mais oui, toute la maison dort encore. Ils vont être réveillés par ma douce et mélodieuse voix. Écoutez mes gourmandises, on est samedi et on est dans une journée qui va être ouf parce que j'organise l'anniversaire de Ninou. Alors là, il est en bas, il dort encore, il est juste au courant que ça se passe aujourd'hui. Il ne sait pas quand, comment, avec qui, etc. Et je me mets une pression depuis 2 mois, mais de malade. Voilà, on est toujours avec Ninou dans un concours de qui fait la plus belle surprise. Et là, j'ai essayé de mettre la barre en pote. Histoire de dire que je tue un peu le game. Mais du coup, c'est hyper compliqué parce qu'il faut savoir que Loïc est un garçon qui déteste les surprises. Enfin non, il aime les surprises, mais il aime fouiller aussi. Et donc du coup, c'est en 15 ans, je crois que j'ai jamais réussi à faire une surprise où il avait vraiment 100% de surprise. Et je crois qu'on est sur la première année de réussite où il ne se doute de rien. Je vais aller le réveiller. Aujourd'hui, je l'ai exclu de la maison. Il va devoir partir toute la journée pour que je puisse préparer et coordonner tout ça. Il reviendra uniquement ce soir quand tout sera prêt. Et j'ai l'impression que rien n'est prêt en réalité, mais ça, il le sait pas. Donc voilà, je vais pas trop en dire maintenant parce que Ninou est là et je sais qu'il, même s'il dort, il a toujours les oreilles au taquet. Donc je vais rester discrète pour le moment. C'est l'anniversaire de papa ? Ah oui ! Ah oui ! Le guerrier s'est réveillé, la star du jour, il est là. Tu stresses ou pas ? Non, mais t'es chiant, je sais pas. Rien. Est-ce que t'as un petit doute de ce qui va se passer ? Mais non, je comprends rien. J'ai géré la surprise. Et faut savoir un truc, Loulou, elle est mise au secret depuis le début. C'est dur ? Ouais, c'est dur. Surtout quand il essaye de gruger. Allez, va te préparer, Ninou. Oui, oh, je me fais un café. Ninou, il a cru qu'il part en vacances, quoi. Tu sais que tu pars 6 heures, quoi. Mais non, mais c'est... j'ai trouvé que c'était plus pratique. Ça y est, il se casse. Amuse-toi bien. Merci. C'est Nico qui vient te chercher. Et en vrai, tu sais que je sais même pas où vous allez. Hein. Au revoir. Allez. Putain, quelle belle vie. Hein. Au revoir, au revoir. Oh, ça y est, il est plus là. Oh, je vais pouvoir parler fort et vous dire un peu ce qui se prépare et plus avoir peur de faire une gaffe parce que ça fait 2 mois dès que je parle dans la maison avec Louane ou avec les gosses. J'ai toujours peur qu'ils soient dans le coin, qu'ils fouillent, qu'ils... Oh putain, ça y est, on y est. Yes! Donc déjà, de base, je devais aller en ville parce que j'avais de l'argent à retirer. Je ne peux pas, du coup j'ai dû demander à Loïc sans lui expliquer pourquoi. Et en fait, je peux pas descendre parce que j'avais oublié, j'ai la livraison du gâteau de Ninou. Donc du coup, je suis obligée de rester là pour attendre la livraison. Je lui ai commandé un super beau gâteau dans le thème parce qu'il faut savoir que c'est une soirée à thème. Ah mais en fait, j'ai trop de trucs à dire. J'ai posé la caméra, parce que là, il y a des sujets à aborder. J'enlève les chaussures et je me mets en position confortable. Donc, ça va faire en vrai presque 3 mois que je travaille sur l'anniversaire de Ninou. Parce que j'avais envie de marquer le coup, voilà, après 2020 qui a été compliqué pour tout le monde. J'avais envie de faire un truc où on se retrouve avec nos amis, on fait un truc vraiment à thème et sympa. Donc du coup, après réflexion, je me suis dit qu'il était très attentionné de sa barbe et qu'on pourrait faire un thème barbeur. Et le thème barbeur m'a amené au thème année 20 Gatsby. Donc on va vraiment pouvoir faire un truc très 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 sympa. J'ai bien sûr demandé à tous les invités de s'habiller dans le thème. Toute la déco et tous les petits trucs que j'ai prévus de la soirée seront dans ce thème là. Sur ce, on continue, on enchaîne parce que là je me pose, j'ai pas trop le temps, j'ai la maison à ranger. Ça avance. Loulou s'est mise en mode avatar. Tu l'aimes ce film, hein? Exceptionnel, Mathis est en train de ranger sa chambre et moi il va falloir que je range cette table. C'est un bordel sans nom. C'est toujours la table bordel, mais le problème c'est qu'elle se situe au milieu du salon. Bon, écoutez, je suis venue à bout de la table. Bon, après, l'anniversaire va se dérouler principalement à l'extérieur aujourd'hui. J'ai l'impression d'oublier un truc, c'est horrible. Bon, alors, écoutez, on va mettre ça sur les hormones de grossesse. Ninou m'a juste envoyé un message où il me dit « Merci de faire tout ça pour moi. » Et ça m'a fait monter les larmes. Là, déjà, là, juste qu'il kiffe sa journée avec Nico et voir qu'il kiffe. Ça me fait kiffer en fait, et ça m'émeut. Oh, c'est trop ferble, j'arrête. Sinon, petit update, organisation d'anniversaire, j'ai ma sono qui a lâché. En fait, j'ai une grosse boule sono qui devait aller à l'extérieur, qui ne marche plus. Du coup, j'ai trouvé une petite enceinte. Et ça, c'est le genre de truc qui me gave quand tu prévois des trucs, et en vrai, rien ne se passe jamais comme prévu. Oh putain, my god, il nous arrive un truc. Il y a la livraison du gâteau et Mélanie de... Je suis là, moi. J'ai plus de voix. De Many Events qui est arrivée. C'est elle qui va gérer toute la déco, l'install et tout. Et on avait perdu... les clés. Et on était là en mode, putain, mais on va jamais y arriver. On est resté, ils sont restés un quart d'heure devant le portail. Pendant un quart d'heure, on a retourné toute la maison. Et en fait, j'ai allumé ma cam, j'ai regardé mes rushs. Et dans les rushs, tu me vois balancer mes clés sur le fauteuil. Et c'est Louane, heureusement, elle m'a dit, mais regarde ta cam, tu dois voir où tu poses les clés. On a reçu le gâteau, Loulou. Est-ce qu'il est pas ouf? Oui.
Il est incroyable, je suis trop contente. Il a été réalisé par Sweet and Nice. Et alors honnêtement, moi je lui ai envoyé un visuel, je m'attendais à ressemblant. Mais là c'est encore plus beau que le visuel que je voulais que je lui envoie. Regarde. Là on est à fond dans le thème. Et il y en a assez pour tout le monde. Alors ça y est, ça commence à se vider, on n'a plus rien. Là. Et là il y aura quelque chose, on vous dit pas encore. Ouais, mais... on vous dit pas encore. Du coup c'est tout là-bas. Ouais. Voilà, il y a Mélanie, la boss de Mana Events, qui gère tout, elle porte, elle est tout. Voilà. Les premiers éléments de déco arrivent. Putain, je vous jure, Ninou s'y attend pas du tout. The Ninou's birthday. Ah, c'est trop canon. Je suis trop contente, ça va être trop beau. Oh. Les inséparables. Ça geek déjà? On envoie des bouts à Chelsea. C'est quoi des bouts? Bou 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 bou. Mais montre-moi, c'est quoi des bouts? C'est ça. Bou 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 bou. Bon, on est en train de regarder les stories de nos hommes qui sont allés au restaurant entre mecs. Et ils nous mangent un morceau de viande qui fait 1,5 kg. Donc là, on est en train de se dire, si la digestion se passe mal, à tout moment, ce soir, Loïc, il vient et il dure 5 minutes dans la soirée. Et là, j'aurai clairement les boules. Et s'il a mal au ventre, ce sera bien pour lui. Ah non, mais on le défonce. Ah oui, mais on le prend. Les deux, là, Nico et... BAM! On est d'accord? Ouais. Regardez, Anissa, elle est arrivée avec Cookie. Ça va, Cookie? Oui. Ça me donne trop envie de reprendre un chien. Bon, il est déjà 16h passé. Les premières invitées vont bientôt arriver. Je suis pas prête. Au final, j'étais en avant. Je me retrouve à la bourre. J'ai préparé mes tenues, regardez. On a les petites chaussures dans le thème. La robe, j'espère que je rentre encore dedans. Normalement, oui, je l'ai testée il y a quelques jours. Je file à la douche me rafraîchir parce qu'il fait une chaleur à crever. Et on va se préparer. Bon, on va s'attaquer au maquillage. Ah, je me rafraîchis la tronche, il fait trop chaud. Maquillage, cheveux, tenue et on sera bon. Putain, faut que je me bouge quand même. A few moments later. C'est, je sais même plus comment on dit, bras le combat là, c'est la folie à la maison. Parce qu'il y a tout le monde qui se prépare, la famille Anissa, la famille Alexia. Il y a d'autres invités qui vont arriver, il y a la déco qui se termine à l'extérieur. Et je crois qu'on est dans les temps, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Ok. Bon écoutez, je suis quasiment en place, j'ai envoyé le traiteur au mauvais endroit. Donc elle est allée dans, presque dans la mauvaise ville, c'est n'importe quoi, je me suis gourée dans l'adresse. Du coup là, elle doit revenir ici, c'est... Tout le monde arrive dans une demi-heure. Est-ce qu'on est dans le thème? Ouais. Ah ah. Avec le petit bidou. Voici. Ok, let's go. On a démarré, enfin non, on n'a pas du tout démarré la soirée, on attend les invités. La déco est quasi en place, je vais vous montrer tout ça. Il y a du monde qui s'active, là ça part en photo. Oh mon fils, comme il est beau. Oh là là, c'est trop canon. Non mais Natou, il m'étouffe ce gosse. Donc là, ici derrière moi, ça va être le stand photo pour qu'on fasse les photos tous ensemble. Je pense que c'est les gosses qui vont surtout squatter ça. Oui, allô? Alors le chemin, vous avez des poubelles, il faut tourner à gauche. Putain, il est encore là lui, il me suit. Comment on appelle ça, Mélanie, déjà? Un petit backdrop. Parce qu'on va pouvoir après mettre le gâteau ici. Happy birthday, Ninou. Avec tous les ballons et tout. C'est trop canon. Ensuite, ici, si le traiteur arrive un jour parce qu'il trouve pas l'adresse. La surprise ultime de Ninou, c'est le bar. Ils ont carrément construit un bar chez moi. Là, on a un bar, les gars. Est-ce que c'est pas trop beau? C'est pas mal du tout. Franchement, juste quand je peux pas boire de l'alcool, c'est génial. Ouais. Il y a Amy qui est arrivée. Il y a Jay. Ah, il y a Chris. Ah, oh, le beau Chris. Il y a Jay. Il y a. Ramène ton cul, sinon je te pète les jambes. Mais à qui il parle? Tu sais, c'est pour YouTube. Il y a Maletti qui est là, regardez comme ils sont beaux. Non, et franchement, en vrai, ça va être trop beau quand on va tous être là dans le thème, regardez derrière moi. Ça fait trop classe, on a changé d'époque en une soirée. Je pense qu'on peut venir quand on est venu à bout. Le traiteur n'est toujours pas là, mais on va bien finir par manger. Je vais vous montrer la déco de loin, ce que ça rend. Mais en vrai, on est vraiment dans un univers hyper... années 20, quoi, c'est ce qu'on voulait. Le coin whisky et cigare, c'est pour Jay, voilà, on lui a fait un petit coin... Regardez, Yaki! Elle est là! Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Montrez. Montrez-moi. Comment ça va? Bon, on est opérationnel ou pas? Il y a du monde là. Ouais. Oh, l'ambiance pourrie, je me fais chier avec une déco de fou. Merde quoi! Oh là non, franchement c'est trop beau, tout le monde a joué le jeu, on est grave dans le thème et on a enfin à manger. Tu baisses un peu! On est mal baisse. Bon, on attend Ninou, voilà, il se fait attendre, on est en place, tout est prêt. Ah! Ben non, il est pas là. C'est la musique d'arrivée, mais il est pas là. 3! Ah oui, je suis pas du tout dans le thème en fait. Je vais prendre les impressions de Ninou. Mais mon chat, mais comment t'as fait organiser tout ça? En vrai de vrai, là ça va être compliqué à ce que je t'éclate.
Bon, du coup, pour être à fond dans le thème barbeur années 20, on a fait venir Wonka Barber, qui est l'élite dans la barbe et les coupes de cheveux. Et ce soir, pendant toute la soirée, il va tailler les barbes et couper les cheveux des garçons. Là, il est déjà opérationnel avec Dani. C'est pas trop la classe, ça, quand même. Ah, c'est génial. Pas ouf cette soirée. Hein. Arrêtez! Mais les gamins, je trouve que ouais, franchement, pas super ambiance, c'était pas la folie. Mais je vous connais trop avec vos gueules là! Bon, ça va être l'heure du gâteau et j'ai oublié les bougies. Et pour le gâteau, joyeux anniversaire! Nous sommes sur un lendemain d'anniversaire. Perso, j'ai pas la gueule de bois. C'est l'avantage d'être enceinte et de ne pas boire d'alcool. Ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Ça, après la fête, le ménage. On est en galère quoi, je vais pas te mentir, le karcher marche pas, c'est... Bon, on a réussi à se poser, la maison est vidée de tous nos convives qui ont dormi là cette nuit. Et la maison, confettis. Presque. Je pense que les confettis, en vrai, c'est le genre de truc qui vont rester pendant un an. On est sur le bilan de cette fête d'anniversaire, c'est Ninou qui va principalement parler parce que c'est le principal intéressé. Et j'ai envie de savoir ce que t'as pensé de mon orga, de la surprise et, ouais. et de tout. Niveau surprise, je vais te donner un 10 sur 10. Oh. Parce que c'est la première fois où je grille rien. Mais honnêtement, mon chat, tu t'es gavé. C'était mon ouf. Non, non, est-ce mais... que je t'ai éclaté? Ouais. Yeah ouais. Yes, yes. Non, c'était fou. Le bar, c'était dingue. J'avais jamais vu ça. Ah, le bar, c'était fou. C'était fou. La déco, elle était top. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un futur événement qui arrive, qui prévoit aussi beaucoup de décorations, beaucoup d'ambiance. Là, ça s'avance un peu dans quelques semaines. Et du coup, c'est cool quand tu finis un événement de pouvoir te projeter déjà dans un autre. Ouais. Écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à noter ma surprise d'anniversaire sur 10 dans les commentaires. Et on vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 pour une nouvelle vidéo, bien sûr. On vous aime de ouf, mon de dingue, de malade. Ciao. C'est pas mon cadeau, par contre. Non, j'en ai pas eu à ouvrir de toi, tu sais.